rose. Dans quelle ville? Deux noirs, panthère noire. La série dessin animé en 64? Le téléphone, SMS 64, 62, c'est le film, la panthère rose. C'est, oui, pas la... c'est pas le dessin animé. Oh là là, Scott, directement tu leur mets dans leur mère. Oh putain, il a raison, le con. Film 63. C'est un personnage. Ah, 63. Mais ça peut être 63 aussi. Et panthère rose, la série, c'est après. C'est 69. Alors, on a bien évidemment pris une émission de super champion, parce que Scott est un super champion. Par quel nom féminin désigne-t-on les gants ne couvrant... Les moufles? Non, moi j'aurais dit mitaine. Mitaine, ah ouais. Oui, mitaine, je suis con. C'est mitaine, ouais. Oui, mais mitaine. Mitaine. Ne couvrant que la première phalange. Ah ouais, parce que ouais, ne couvrant ne pas couvrant, les phalanges. Ça veut dire que ça n'est pas couvrant tout, quoi. C'est ne couvrant. Donc putain, c'est... mitaine qui avait été très populaire à l'époque de Tokyo Hotel, mec. 2013, quel rappeur révélé avec le collectif... OMG, 2013, quel rappeur? Ça va être Section d'Assaut, mec. Ils vont pas mettre Gims. Je te jure, ils vont mettre Gims. Oh. À deux. Gims ou peut-être Black M. Ouais, j'aurais tenté Black M. Ça peut peut-être être Black M en vrai. Attends, ça dépend. Mais 2013, c'est Section d'Assaut. Steve, Marianne. Soprano. Pas lui. Oh, c'est Section d'Assaut. D'assaut. Ouais. Comment? Maître Gims. Oui. Et tu sais qu'en vrai, c'est faux, ça. Oui. En vrai, c'est Gims. Oui, ouais, maintenant, mais à l'époque de Section d'Assaut, c'était pas Gims, c'était Maître Gims. Tu sais qu'en vrai. Maître Gims. Les amis, Section d'Assaut, c'est avant 2010 avec 30% et tout, mais le grand public, c'est 2013. Section d'Assaut, l'école des points vitaux. Ah ouais, c'est 2011. Oh ouais, c'est my bad. En vrai, j'ai entendu 2013 collectif rap, j'étais vraiment en mode Section d'Assaut à 100%. Moi, j'ai remarqué que la première 3 points était jamais trop difficile. Quel arbre ornemental est représenté par l'espèce Grandiflora? Ah purée, ça me dit quelque chose. Dont les fleurs d'un blanc pur et translucide mesurent jusqu'à 25 cm de diamètre. Ah si, en vrai, ça peut être magnolia. Ah, ça peut être magnolia. Attends. Marianne ? Un magnolia. 3 points. Grande magnolia. Grandiflora, ça me disait quelque chose pour magnolia. T'as entendu Grandiflora, t'as du magnolia, j'ai envie des feufs. Quel après de la cuisine lyonnaise est composé, François ? Oh la ref, un après. Ah, mais j'ai plusieurs trucs en tête. L'oubliette de sapeur. Non. Les canettes de brochet. La cervelle de canut. Non. Est composée d'une farce de poisson façonnée en petits boudins. Ah oui, c'est une quenelle. Thomas. La quenelle. Quenelle, oui. Ça, c'est une image de la bataille d'Azincourt. Ouais. Lors de laquelle 25... Mais 415, nous savons. Les Anglais ont donc infligé une sévère défaite aux Français. Quel roi d'Angleterre? Ah oui, je l'ai. FF, vas-y. Henri V. François. Richard Cœur de Lion? Non. Mais pourquoi, mec? Je sais pas, parce que c'est... Pourquoi, je, mec? Je crois qu'il y a Shakespeare qui a fait une pièce qui s'appelle Henri V aussi. Genre l'histoire, je pense que c'est mon pire thème. Je pense que vraiment c'est devenu mon pire thème, je n'y arrive pas. Ah mais c'est compliqué. Moi je vais pas te mentir que c'est avec les clubs, les tournois et l'écrire que j'ai apprécié l'histoire. Le prince noir, mais non. De cette victoire, cherche le roi d'Angleterre qui était l'artisan de cette victoire. Marianne. Jean Ier. Non. De cette victoire, de cette bataille d'Azincourt, Thomas. Richard II. Non. Henri V. Henri V vous donne un bien. Ah ouais. Bravo, Michel. C'est lui le champion. C'est pas dur. Là, ça va jouer vite. Quelle mustélidée proche de la belette, Marianne. Oh, c'est l'hermine. Ouais. Enfin, moi, j'irais ça. Ouais, en vrai, c'est ça. La loutre. On va dire qu'il perce, change son pelage. Oui, non, son pelage, Elliot. L'hermine. Oui. Ouais, putain. Qui change son pelage en hiver. J'avais la rêve. Oui. Quel terme désigne la branche du christianisme constituée de l'ensemble des doctrines religieuses et des églises issues de la réforme? Protestantisme. Elliot. Ouais. Ouais. Protestantisme. Oui, réforme, protestantisme. Ouais. J'avais pas d'idée avant qu'ils disent réforme. Quelle commune des Alpes-Maritimes située près de la frontière italienne? François. Vas-y, je l'ai pas. Oh oui, putain! Oh putain, ça par contre, c'est une honte. Putain, j'ai pas osé le dire. J'ai ramené mes parents pour leur 30 ans de mariage à Menton. Oui, c'est parti! Et qu'est-ce que c'est beau comme ville! Quel réservoir membraneux en forme de poire logé sous le foie? Bah, la vésicule biliaire. Ouais. Peut-être français. N'hésite pas à dire, mec, hein, t'inquiète. Bah, je sais pas. Non, mais casse-moi la gueule, mec, vas-y, on en peut plus. Ouais, en forme de poire, je me suis dit visiculaire. Non, on en peut plus, on peut plus. Excellent. Non, mais ça va, j'ai de la bonne rep. Art. Ah. De 1902 à 1905, quel sculpteur français donc... Bourdel. On est au début. Elliot. Rodin. Si, c'est ça, on est au début du 20e, célèbre pour ses statues de femmes aux formes. C'est Mayol. Oh, c'est Mayol, putain, c'est Mayol. Mais tu sais, ils sont tous les deux nés la même année. Mais oui, c'est pour ça.
Marianne. Mayol. Oui, arrête. Putain. Mais les statues féminines un peu... Mais tu sais que ça dégoûte parce que je pense que si j'étais à l'émission, j'aurais buzzé. Quelle série télé française des années 90 avec Vanessa de Mouy? Oui. Oh putain, je vois sa tête en plus. Classe mannequin. Non, mais t'aimes trop les séries comme ça, toi. Je sais, c'est vrai que les séries télé, je... Oui, t'es fort. J'aime bien les séries télé. J'en ai regardé très peu, mais... Et Séverine Ferrer aussi se déroulait dans l'univers de la mode. En fait, c'était une école de mode. Ouais. Haute couture. Classe. Classe couture. Classe mannequin. Mannequin. Gastronomie. En cuisine, comment nomme-t-on le riz à la turque revenu dans un corps gras? Quoi? Riz à la turque? J'allais dire pilaf. Mais le riz... Si. Ça peut être pilaf? Si, bah oui. En vrai, oui. Okay. Non, c'est ça. Si, Marianne. Si. Pilaf? Oui. Pilaf. Non, mais sujet, c'est pas basmati, si. C'est pas... Riz à la turque, c'est pilaf, en vrai. Camélidée domestique. Lama ou alpaga? Ouais. Alpaga, c'est en un point. Ça peut être alpaga, en vrai. Ouais. Dromadaire? Non. Non, ok. Non, c'est... François? Vigogne? Non. Non, Vigogne sur les trois. Bah oui. Le lama? Ah oui. Ah bah non, c'était lama. Au tennis? Quel geste technique consiste à envoyer une balle... Ça peut être le lobe. Ça peut être... Ouais, ça peut être lobe. Un S? Envoyer la balle au-dessus. Le lobe? Non. Oh merde. Ah bah c'est amorti alors. Alors du coup l'amorti. C'est amorti. Le passing shot? Non. Non, le frère. François? Une balle très courte pour la faire rebondir mollement juste derrière le filet. Et hop là. Moi je pensais qu'il allait dire envoyer la balle au par-dessus l'adversaire. Et je te jure, Elliot c'est trop un prouveur. Genre dire passing shot, c'est une phrase, c'est une légende. Quelle actrice à l'affiche dans les années 80 de Un poisson nommé Vanda? Ouais. Jamie Lee Curtis. C'est François qui est plus rapide. Je sais pas. Non. Et Marianne? Curtis a pris la main alors que Thomas était en train de buzzer depuis tout à l'heure. Non, j'ai vu Un poisson nommé Vanda et c'est un film très loufoque avec les membres des Monty Python, pas tous, mais il y a les membres. C'est très humour un peu décalé. Jamie Curtis qui est la fille de Tony Curtis et ah c'est sa fille. Je me rappelle jamais si c'est Janet Leigh ou Vivian Leigh. C'est Janet Leigh. Janet Leigh, ok. Dans un tube de 1975, quel chanteur irait bien refaire un... Attends. Oui, j'irais bien refaire un tour. Un tour à la plage? Du côté de chez Swan. C'est un néerlandais. Oh, Dave. Dave, oui. Dave. Dave. Putain, ça revenait pas. Refaire quoi? Un tour du côté de chez Swan. Ça revenait pas. Oui, 9. Dave. Oh, ils sont forts. Dave. Oh. Quel nom, c'est de la géographie, portent les habitants de la région Île-de-France? Oh putain. Attends. Bah les franciliens. Oui. Oh putain, ok, non, j'ai eu peur, j'ai eu très très peur. Les franciliens. Eh oui. Oula, j'ai eu très très peur, mec. Histoire. En 1984, quel archevêque anglican sud-africain? Oui. Qui? Desmond Tutu. Ah oui, putain. Trop fort. François? Mais oui, Desmond Tutu. Oh. Là, c'est un toutou méchant là. François, vous êtes qualifié. La remontée. Le papa. La remontée de François, allez-y. Exceptionnel. Ce soir, Thomas, François, Marianne, on joue avec la littérature italienne. Avec les grands ensembles construits en France. La littérature italienne. Avec les percussions dans la musique classique. C'est gagné. Le marimba. Et puis le thème. Ouais, j'avoue que là, comme ça... On va laisser Marianne choisir. Ouais, la littérature italienne. Il va y avoir... Ils vont peut-être mettre Elena Ferrante avec La Nuit Prodigieuse. Umberto Eco, Luna Rose. J'aurais pris peut-être la musique classique en 1, littérature en 2 et ça en 3. Putain, ouais, moi j'aurais pris la musique aussi. Construit. Top, quelle période historique, comprise entre 46 et 75, a été marquée par la mise en œuvre en France de la politique des grands ensembles? Les 30 glorieuses. Ouais. 46, 75. 30 l'après-guerre. Quel mode de construction fondé sur l'emploi d'éléments produits en série, puis assemblés sur place et associés à l'édification des grands ensembles? Pas du tout. J'ai déjà pas compris la question. Ah ouais. J'ai vraiment... Attends. À quel architecte urbaniste a-t-on confié dans les années 20 la réalisation du quartier d'habitation dit des États-Unis à Lyon? Renzo Piano. Quelle ville de la banlieue parisienne abrite la cité de la Muette, qui est considérée comme le premier grand... Quel terme synonyme de immeuble en bande désigne les bâtiments dont la longueur l'emporte sur la hauteur typique des grands ensembles? Les bars? Quel nom porte le 350 à Marseille, qui constitue l'une des rares réalisations de l'Ouest? À quel architecte catalan
Ça, catalan, à Pécus, non, ça va être Beaufil peut-être, le quartier non, Antigone. À deux points. C'est Ricardo Beaufil. Oh oui. Oh la méta. La période historique comprise en centre. Ça, ouais, ça, ok. Les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses. Trop, c'est. Ouais, c'est normal. Quel mode de construction fondé sur l'emploi d'éléments produits en série, je vois pas, que j'ai assemblé sur place, est associé à l'édification des grands ensembles. Le préfabriqué. Oui. Ah, le préfabriqué. J'aurais jamais trouvé. Il y a des gens qui l'avaient dans le chat. Quel architecte et urbaniste a réalisé dans les années 20 la réalisation du quartier d'habitation dit des États-Unis à Lyon? Jean-Nouvel. Il y a une halle, je crois, qui porte sur. Ah, Garnier. Tony Garnier. Je pensais qu'il était plus récent. Quelle ville de la banlieue parisienne a précédé de la Muette, considérée comme le premier grand ensemble conçu en France? C'est pas Mantes-la-Jolie? Non, c'est Drancy. Quel terme synonyme d'immeuble en bande désigne les bâtiments dont la longueur porte sur la hauteur? Les bars. Typique des grands ensembles, on parle des. Parfois, et puis parfois on les détruit après. Les bars. Les bars. Bien joué. Moi, je pense que je l'aurais pas eu. On va voir mon histoire de théorie. La musique tous les jours. Avec une belle maman, Françoise, que je salue, qui était prof de musique en collège et lycée. Oui. Toute sa carrière Françoise. Avec une femme qui a fait le conservatoire et la carrière pendant 10 ans avec ma fille qui fait le conservatoire. Vous comprenez la littérature? On va apprendre la percussion dans la musique. Oh là là, alors là, mec, la pression quand même. Top, dans quel conte symphonique pour enfants de Prokofiev les tirs des Le Pierre et le Loup. Chasseurs sont-ils représentés par les... Dans quelle symphonie de Beethoven entend-on dans le 4e mouvement Orage, Tempête des... La 9e? Moi, j'aurais dit la pastorale, la 6e. T'as raison. La 5e symphonie. À quel compositeur autrichien doit-on la symphonie numéro 100, dite militaire? Haydn. Symphonie numéro 100, il n'y a que lui qui a écrit une centaine de symphonies. Créé. À quel mot allemand désigne le carillon d'orchestre avec lequel Glockenspiel. Dans le Oh oui, Glockenspiel, let's go, chérie. Quel instrument à percussion typiquement espagnol entend-on notamment à l'acte 2 de l'opéra Carmen de Bizet? Quel opéra de Verdi se passant en Égypte au temps des pharaons inclut la marche triomphale? Au début de quel poème symphonique inspiré de Nietzsche, Richard Strauss alternative symbole et trompette pour suggérer par les Zarathoustra. Bah, qui est dans 2001 l'Odyssée de l'espace. En 71, quel musicien, inventeur de la musique répétitive, compose l'œuvre intitulée Drumming? Steve Reich. C'est celui qui a fait City Life. Ok. J'ai hésité avec américain et truc répétitif. J'étais à bon, Glass ou Reich. J'ai la ref. Steve Reich, ouais. Reich. Cette symphonie de Beethoven où on entend dans le 4e mouvement Orage, Tempête et Timbales. Orage, Tempête, ça m'a fait penser à la nature. Pas du tout. Donc du coup, je me suis dit, symphonie nature de Beethoven. Le compositeur autrichien à qui on doit la symphonie numéro 100, dite militaire. Ouais, ça, Haydn. Haydn. Symphonie numéro 100, je crois qu'il en a fait 110 et des boîtes. Quand il y a un mec qui débite, on sait que c'est lui. Se passant en Égypte, vous m'avez dit Aria. Aïda. Verdi, Égypte. C'est tellement un mystère. C'est deux pièges. Littérature je vais prendre la littérature italienne. Okay. Ah. Top, dans la première moitié du 14e siècle, quel poème évoquant les trois règnes de l'au-delà la Divine Comédie par Dante Alighieri? Ça, d'accord. La Divine Comédie. J'ai 58, pas quel roman de Tomasi di Lampedusa paru à titre posthume évoque le déclin d'une famille de l'aristocratie sicilienne? Je passe. 47, dans quel récit autobiographique Primo Levi témoigne-t-il avec dignité de son expérience si c'est un homme. En 96, dans le roman Sous. Pas sûr du titre, si c'est un homme ou si c'est ça. Si c'est un homme. C'est ça, avec trois points de suspension. Quoi? Quel écrivain piémont? À quel homme politique et écrivain toscan doit-on le traité de philosophie politique Le Prince? Machiavel. Publié en 1532. Prince de Machiavel. Pic de la Mirandole. Aïe. Non, bro! 37. À quel écrivain doit-on le conte Le Baron Perché? Dans lequel on peut lire, Calvino. Si on veut. 1921, quel écrivain sicilien, prix Nobel de littérature en 1934, est l'auteur de la pièce 6 personnages en 4 d'auteur? Luigi Pirandello, il est tout le temps là! Il est tout le temps là, ce mec! J'avoue que là, les candidats aux quatre à la suite, ils ont un peu fait. Quoi. Ouais, mais ils étaient pas simples, les thèmes. D'une famille de l'aristocratie. La Divine Comédie, ouais, si. Bon, ça, mais j'avoue que j'aurais peut-être plus demandé Dante en un, plus que plutôt que de dire la Divine Comédie. Oh, oui. Primo Levi. Oh, j'avoue, si c'était un homme. Oui, si c'est un homme, Thomas, bravo. Personnage pour enfants créé par Jean Tourane, courageux et ingénieux. Je suis entouré d'un basset, d'un cochon d'Inde. Je suis poursuivi par mon ennemi, une belette. Célèbre petit canard jaune, François. Saturnin. Wow. Quoi? Ah, mais oui, il y a un canard. Mais oui, j'étais sur le chien, moi, donc. Mais on le voit, là. Que suis-je? Ancienne mesure. Le lieu? Oui, en désuétude. Marianne. La lieu. Oh, c'est beau. Oh, j'ai dit le lieu que j'aimais faire. Oui, moi, c'est pas grave. Ça y est, je pense que tu le comptes quand même. Plante. Non, jacinthe? Non. Non. Là, j'avoue que. Orchidée? François? Orchidée.
Non. Dommage. Fleurissant dès le mois de mars, dans les sous-bois et le long des haies, je suis caractérisé par des fleurs dont la teinte la plus courante disparaît, frère. Constitue mon nom. Plante dont on cultive la bah, violette. La violette, du coup. Oh là là, c'est horrible. Ah ouais, on te montre une fleur violette, mais c'est la violette. La violette. Et alors Marianne a attendu tous les indices, bien sûr. Aïe 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 aïe. J'avoue qu'on te montre une fleur violette en plein, en gros plan. Et c'est la violette. C'était un plaisir de vous retrouver. Top programme. Ayant fêté en 2022 les 35 ans de ma création, j'ai démarré à l'initiative de l'italienne Sofia Corradi, lancée en 87 sous la présidence de Jacques Delors à la Commission européenne, accessible aux apprentis, aux demandeurs d'emploi. J'ai permis à des... Erasmus ? L'apprentissage ? Non. Erasmus ? À des millions d'Européens de poursuivre leurs études, d'enseigner... Ouais. Erasmus. De part. Erasmus ? Mais oui, bien sûr. Mais gentil en trois quand même. Oui. Top. Ville. Ayant accueilli les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2018, je suis... Oula. Je suis traversé par le Rio Riachuelo, abritant la Casa Rosada, siège de la... Ah, Buenos Aires. Oui, putain. J'ai entendu Jeux Olympiques de la jeunesse. J'ai ah, j'allais dire. Oh là là, j'ai pas osé. Je savais pas. Ton aura m'a fait peur, mec. Ah bah non. Oh là là, j'aurais... Dire, hein, oh là là. Présidence de mon pays, ma population est d'environ 3 millions d'habitants. Ville portuaire d'Amérique du Sud dont fait partie le... Bah oui, il faut y aller. Quartier. Buenos Aires. Eh oui. Oui. Top toile. Restaurée en 87, environ 500 ans après ma création. Je suis une scène mythologique de grand format exposée au musée des Offices de Florence. La scène ? La naissance de Vénus. 4. Ah, bien joué. Top rappeur français né en 90, auteur de la chanson Des Astres. Commençant par Peu d'hommes sincères, Dieu sait qu'on est seul. Ah là, là c'est toi qui va briller. Peu d'hommes sincères, Dieu sait qu'on est seul. J'ai remporté Des Astres. Non, il est pas né en 90. Oh putain. Oh oui, d'accord. Oui. Oh là là. Oh non non, j'ai stressé. Oui. C'est Ken Samaras, mec. Ah, d'accord. C'est Ken Samaras. Oh, non, j'ai eu trop peur. Arrêtez. J'ai stressé. C'est bon. Le groupe S-Crew, avec lequel je suis de. Mais oui, laissez-moi tranquille. On dirait que je dois l'avoir à la première phrase, genre. Retour en 2022 sur l'album S. Désolé d'avoir stressé. Le disque Les Étoiles Vagabondes, ah. En même temps qu'un film homonyme en 2010. Oui. Les Étoiles Vagabondes. Ayant connu le succès Netflix, en solo. Ouais. Ouais. Avec l'album Feu et le titre. Ah, je l'aurais eu là. Ah, là, c'est sûr, avec Feu, je l'aurais eu là. Top événement historique appelé Opération Charlotte Corday. Parce ah, que... l'attentat du petit Clamart. Opération Charlotte Corday, l'attentat contre De Gaulle. La fête organisée, je suis connu sous le nom de l'endroit où je me suis déroulé dans la banlieue parisienne. L'assassinat de Marat ? Non. Top embuscade au cours de laquelle eut lieu une intense fusillade. J'ai laissé indemne les quatre personnes se trouvant à bord de la DS présidentielle. L'attentat du petit Clamart. Eh oui, la tentative d'attentat contre le général de Gaulle, exact. Ah bah ça vous la coupe, les gens qui disaient qu'ils trichaient dans le chat. Exactement. Top nom de famille figurant dans le titre d'un roman d'Honoré de Balzac, publié en revue en 1833. Être... Oh ouais. Goriot. T'as le père Goriot, t'as Colonel Chabert. Grandet. T'as Eugénie Grandet. Supporté par plusieurs personnages de premier plan, dont un père. La César Birotteau. Goriot. Vivant à Saumur. Grandet. Vous buzzez. Oh, c'est Grandet. La théorie. Oh. Ouais, théorie. Pas besoin, on va prendre Balzac, il a écrit, je sais pas quoi. Mais la main est du côté de Marianne. Top actrice née en 1969 à Melbourne, j'obtiens mon premier. 69, Melbourne. Nicole Kidman ? Ah non. Non, elle est née à Honolulu, au truc Nicole Kidman. Désolé, mec. Kate Blanchett, peut-être ? Désolé, mec, je voulais pas. Mais non, mais on sait quoi. Dans 98, obtenant l'année suivante la consécration pour mon interprétation d'Elisabeth Ier, j'ai aussi incarné l'elfe Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux. Liv Tyler ? Non. Non. D'ailleurs, a joué dans cette saga, mais. Kate. Je sais plus. Ah là là. Top, jouant les rôles d'Irina Spalco dans une des aventures d'Indiana Jones et de Katharine Hepburn dans Avengers. Après, mec, le problème, c'est à part Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu, quel film nous intéresse, quoi ? C'est ça le problème. J'ai reçu mon deuxième Oscar pour Blue. Ou Jasmine. Kate Blanchett. Ah Blanchett, oui, exactement. Top objet usuel, dont un ancien modèle de grande taille et en métal appelé Ferrière. Je suis fabriqué dans des matériaux divers, emporté par les pèlerins et les militaires. Objet, je sais pas, une serpe. Terre. Derrière, la besace. C'est un truc qu'on accroche. En campagne, j'ai vu mon utilisation se développer avec des loisirs comme la randonnée. Récipient parfois gourde, de gourde, pour le passage d'une courroie. Je connais, Marianne Abezé. Une cantinière. Oh non. La main passe. Ah non, c'est une gourde. Top de nos jours, un engouement, car je permets de remplacer les bouteilles d'eau en... La gourde. Oui. Et boum. Attendez, en randonnée, la cantinière. J'ai vu. Bonne réponse. Top organe, dont l'ablation peut se révéler nécessaire en cas de syndrome de Cushing. Nous sommes aux membres de deux dans le corps humain. Deux. Le rein. La main passe. Oh.
Top de couleur jaune chamois et pesant environ 5 grammes chacun. Notre partie externe sécrète le cortisol et stimule la production d'hormones mâles, alors que notre partie... Bah les couilles. Un terme produit notamment l'adrénaline. Ah non, les adrénales. Oui, glande surrénale. Glande surrénale. Et oui. Ah, elle était pas loin en disant les reins. On aurait dû lui faire confiance, elle est l'étude de médecine. Mais oui, c'est vrai qu'elle est chirurgien dentiste. 5 grammes, une couille. Bah. Donc, vous avez déjà pesé vos couilles, vous? Bon, bah, c'est pas terminé. Oui. Top. Mammifères d'Afrique. Représentés par les sous-espèces dites de la rivière Cross et de montagne. J'ai un pelage brun ou noir qui se couvre chez le mâle adulte de poils gris. Le gorille. 4 points. Oh, bien joué. Qu'est-ce qu'on fait de cette question de gastronomie? Je prends. Gastronomie, en vrai. C'est souvent les mêmes choses. Oui, ah, mais c'est vrai. Ouais. Confiserie, créée à Nashville en 1897 par un dentiste. C'est le chewing-gum. Ouais, peut-être. Ian Morrison et un confiseur, John chewing-gum. Wharton, j'étais alors appelé. Malabar. Non. Top Fairy Floss. La barbe à papa. Préparé dans une cuve en acier inoxydable. Oui. Chewing-gum. Non. Fairy Floss, c'est la barbe à papa. Duquel un cône. La glace. Mais je t'ai fait douter pendant 4 secondes, mec, et c'est tout ce que je recherchais. Non, parce qu'avec les noms des créateurs, c'était pas chouette. Une barbe à papa. Je sais pas, donne-moi un peu de sourire, mec. C'est qui a inventé le chewing-gum? Je sais plus, mais c'est pas ces noms-là. Top. Physicien, né à Belfast en 1824. Belfast. J'aime trop faire ça, excusez-moi. Il est à l'université de Glasgow avant d'y être nommé professeur de philosophie naturelle. M'étant surtout adonné à l'étude de la chaleur et de l'électricité, j'ai notamment découvert en 1852 avec James Prescott Joule le refroidissement provoque Coulomb. Oui, c'est vrai, il me semble que Kelvin est né à Belfast. Top provoqué par la détente des gaz. Physicien à l'origine du concept de zéro après. Oh là là, mais j'adore la science. Absolu, j'ai donné mon nom. Kelvin. Lord moins 273,5. Vous l'aviez en même temps, Michel avait la main. Oh, j'ai dit 5. Oh là là. Top signe astrologique auquel sont associées les actrices Isabelle Adjani, Cécile de France, Meryl Streep, Suverso, la Lune, et elle aliment haut comme le scorpion et les poissons. Le Sagittaire. Moi, je suis R. Signe cardinal, je suis opposé au Capricorne et je suis situé entre les. Cancer. Ouais, Cancer. Verseau. Non. Capricorne. Top des Gémeaux et le Cancer. Et celui du Lion et entre les deux il y a le Cancer. Ouais. Top fruit de l'arbre en Adansonia digitata. Je suis transformé en Adansonia, c'est le baobab, donc le pain de singe. Bah écoute mec, si tu veux mon appart. Genre, je peux me barrer. Poudre avec lesquels les chrétiens du Sénégal préparent le ngalak pour marquer. Le fruit du barbe. La noix. Non, je sais mais pas. Mais bon, bah après, merci pour le rewind de tout, mais. Riche en calcium et en vitamine C, je me présente. Je suis là que pour ça. Je suis là que pour le rewind. Je suis là que pour le rewind. Non plus. Ah ouais. Top, une pulpe blanche, sèche et fibreuse au goût acidulé. Parfois appelé pain de singe. Je suis produit. Corosol. Non. Et du coup, c'est l'autre nom. Non, il veut non, juste fruit du baobab. Par un arbre au tronc renflé, typique des savanes africaines. Pour moi, c'est pain de singe le nom, il n'y a pas de nom. Je suis le fruit du baobab. Ouais. Top château du sud de la France. Oh, ça peut être, ouais. La prise de la Bastille dans le film La Révolution française de Robert Enrico. Je suis une forteresse dont la terrasse à 45 mètres de haut est entourée de créneaux. Bâtie sur un rocher peu élevé au bord du Rhône. Château de Tarascon. Ah oui, Tarascon. Tarascon qui est. Ça peut être Tarascon. Ouais, René d'Anjou, il a été au château de Tarascon. Pardon. Fut édifié. Tarascon. Château de Tarascon, la bonne. Bien joué. Top. Réalisateur français né en 1962, ayant grandi en Allemagne, je rencontre à l'IDEC mon scénariste Gilles Marchand. Desplechin. C'est pas Desplechin. Top et sur mon premier long métrage, Intimité. Adaptant le roman gothique Le Moine, je réalise plusieurs thrillers, mon genre. Éric Rochand. C'est pas Rochand. Top de prédilection, dont Lemming, et surtout mon grand succès, Harry, un ami qui vous veut. Ah, Dominique Moll. Dominique Moll, oui, encore. C'est pas une question classique, ça. Ah ouais. Alors, j'ai pas du tout la ref. Top figure de style, désignée par un mot d'origine grecque signifiant aigu, stupide. Je suis associé à la phrase de Voltaire, le superflu, chose très nécessaire. Aigu, stupide. C'est le pléonasme. Procédé mis en œuvre dans le verre, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Ah non, c'est oxymore. Obscure clarté. Oxymore. Ah oui, une obscure clarté. Pourquoi j'ai dit plus c'était quoi, aigu stupide là j'ai pas compris. Activité sportive, apparue en France et désignée par un nom déposé attesté dès 1984. Je suis pratiqué avec des accessoires. Trampoline. C'est pas le trampoline. Oh, il a tenté un trampoline. Lui. Tels que les poule-pouche et les haltères en mousse, modernisant et rendant plus accessibles les principes en usage dans la balnéothérapie. Bah le
L'aquagym, ouais, c'est ça. L'aquagym. Ah mais oui, les accessoires. Ah, les accessoires dans une piscine, là, pour la balnéothérapie. C'est une activité sportive. Top, cette chanson. Sortie en 78 est due à Michel Berger et Luc Plamondon. J'ai été écrite pour l'opéra Starmania. Starmania avant d'être... J'aurais voulu être un artiste. Quand on arrive en ville. Non. Je sais pas, j'en sais rien. C'est quand on arrive en ville, alors. Peter Kingsbury sous le titre Only the Very Best. Chanson comportant des notes très aiguës. Ah, SOS d'intérieur. Ah oui, SOS. Le SOS d'un terrien en détresse. Oh. Et la bonne réponse. Oh, elle a eu peur. Ah, de l'histoire. Oh, l'histoire, c'est terminé. Top. Personnage historique dont le nom signifie grand roi des guerriers. Je suis le fils d'un aristocrate nommé... Personnage de Rix. Ah oui, mais oui, Rix, ça veut dire roi. En vrai, c'est incroyable comment il est allé vite. Top. Type de sensation. Ayant donné lieu à une journée mondiale le 3e lundi d'octobre, en médecine, je suis qualifié d'exquise lorsque je suis localisé à un point précis du corps. Le point de côté ? La douleur. Ah ouais, la douleur, ah, ben oui. Bah, le côté, quand il a dit exquise, j'ai dit ah bah non, c'est pas ça. Top. Femme de télévision, née à Chartres en 1953. Anne Sinclair ? C'est ça, bravo. J'ai été au théâtre dans la troupe de Peter Brook avant de me tourner vers le documentaire et de créer ma société de production en 1991. Catherine Barma. Ayant commenté à deux reprises l'Eurovision, je dois ma notoriété à des émissions basées sur des entretiens plus ou moins... Mireille Dumas. Team comme bas les masques, bonne réponse. Michel, Mireille Dumas, top état fédéral, dont la constitution provisoire est adoptée le 2 décembre 1971, je m'étends sur plus de 80 000 km², abrite la petite enclave de Mada, essentiellement constituée de déserts arides ou semi-arides, constituée dans une péninsule. Chili ? Non ? Non, pas péninsule. Le Botswana ? La main passe. Top donnant sur... La Malaisie ? Non. Indonésie ? Top, le golfe Persique et la mer de Man, je regroupe 7... Les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis. Oui, ah ouais. Mais alors avant, j'étais pas du tout dans ce coin-là. Top pape, dont le nom était Giovanni Battista Montini. Paul VI. Je suis notamment l'auteur de l'encyclique Populorum Progressio sur le développement des peuples. Pie XII. Pas Pie XII. Non, Pie XII, c'était pas ça. Top. Paul VI. Bah ok, Michel, mec. Michel, buzz, ouais, vite. Alors, pour rester à 4, il n'en a pas ça besoin. Aussi. Pour... Ça aussi. Les vrais noms des gens, c'est une... Mais comment, mec ? Bonne réponse. C'est que quelle finale ? Bah, grand respect, mec. Alexandre VI, c'était Borgia, Rodrigo Borgia. Ah ouais, bon, ça, j'ai la ref. Eh oui, Assassin's Creed. J'ai la ref parce que j'ai joué à Assassin's Creed. Putain, c'était bien. Il était bien, l'épisode. Hein.